Romain ! Romain, mon fils ! Romain, il y a un colis pour toi ! Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Le général ! Ambassadorem Franzi ! Visagem ! Cavalerem Legi Honorove ! Mais je dois à ce rire ce que je suis. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre. Van Gogh, il s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignâmes à la littérature. Il y a trois raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Et Sarah Victor Hugo. Pas me foutre un peu la paix et t'occuper de ta vie. L'idée que ma mère pût mourir avant que j'aie accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice. Être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Ça fait des mois que tu n'as rien écrit. Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y a la guerre. Ça veut dire que je peux pas faire autre chose, que je fais ce que tu m'as demandé. Je suis malade. Et alors, j'ai promis à tout le monde que tu allais sauver la France. Tu vas te battre jusqu'à la victoire. Et je t'interdis de mourir. Et sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être à ce point, fût-il votre mère ?